Il y a les potentielles nouvelles boutiques du 11 mai 2021. Un petit peu de retard, mais c'est pas grave, parce que la boutique n'est pas incroyable. On a le pack armée solaire au prix de moins de 4000 V-Bucks, mais c'est ce qui a marqué. Il était déjà sorti ce pack, donc on connaît, avec le skin solaire, le skin Tezcatl, le planeur ultra moche et la pioche ultra moche. Encore, les skins, ils sont pas mal, mais c'est vrai que les outils de collecte sont vraiment moches. On a le retour de Oro, et les gars, pourquoi il y a le retour de Oro? Parce que si vous ne le savez pas, le skin féminin de Oro, donc sa meuf, va bientôt sortir. Donc voilà, c'est cool. Le planeur, 1500 V-Bucks. Le archétype qui était rare. D'ailleurs, le skin, j'avais jamais remarqué, mais regardez, si on zoome bien, on peut voir qu'il a une tête d'humain, regardez. Genre, il a un masque. Et en fait, ça, c'est des grosses lunettes. J'ai toujours cru qu'il avait une tête carrée, moi. Et ouais, nouveau mystère. Le planeur, au prix de 1200. Et la pioche que j'avais sur un compte secondaire. Donc, elle est plus rare. Traqueuse urbaine, au prix de 800 e-bucks. Pareil, un skin ultra rare qui n'est plus rare. L'agent de liaison, qui était un peu rare, je pense. Qui n'est plus rare. Petit revêtement chaud et froid, au prix de 300. Je sais pas s'il était rare, mais vous avez compris. Ensorcelante, au prix de 800. Ok, clap des pieds, 200. Consternation. Et c'est tout. En bas, tous les skins bannières, la flemme de vous les montrer. On a la cape, le bouclier, la pioche, la danse, le revêtement et le planeur. Ensuite, en bas, Batman Zero, les restaurants, les trucs dorés et le pack. Du coup, c'est tout pour cette boutique. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ce code créateur inscrit dans la boutique Fortnite. Ciao!